Alors, bonsoir à tous et merci d'être là avec moi. De plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Nous qui parlons, et oui, cette belle langue de Molière, à temps plein, et même ceux qui la parlent à temps partiel, venez nous rejoindre. Tous ceux qui la comprennent, d'ailleurs, on a des abonnés de partout, et vraiment, j'en suis très, très fier, de l'Australie, du Japon, de Tahiti, de l'Afrique, beaucoup d'Africains, des amis africains, l'Afrique du Nord, qu'on salue, les Marocains, les Algériens, ce croissant hein, du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, merci d'être là, tous les autres aussi, c'est vraiment apprécié. Chers amis, un astéroïde de plusieurs mètres a touché la Terre le 22 juin 2019 à Puerto Rico. Le 22 juin, 21h25, donc il y a deux jours, un petit astéroïde, est entré dans l'atmosphère terrestre et a explosé en plein jour au sud de Puerto Rico. Les ondes aériennes enregistrées par la station de traitement des infrasons de l'organisation du traité, c'est pas n'importe quoi, là, du traité d'interdiction complète des essais nucléaires aux Bermudes, situé l'énergie de frappe de 3 à 5 kilotonnes de TNT quand même. L'explosion était claire, clairement visible sur les images satellite apparemment. Donc, on peut voir ça ici. On peut voir ici l'explosion. Très, très bien identifié. Peter Brown, expert de météores à l'Université Western Ontario, affirme que le signal infrarouge est compatible avec un petit astéroïde proche de la Terre de plusieurs mètres de taille, selon les données compilées par le Centre d'études sur les objets proches de la Terre de la NASA. Des astéroïdes de cette taille et de cette énergie frappent l'atmosphère environ une fois par année. Cela signifie que c'est rare, mais pas exceptionnel. L'astéroïde s'est fragmenté en déchirant l'atmosphère. On peut voir ici comment il s'est déchiré. Cette image infrarouge du satellite GOES 16 montre la roche spatiale se scindant en au moins 3 morceaux. Beaucoup plus de fragments ont sans doute été aspergés par l'explosion, mais les météorites résultantes se trouvent maintenant au fond des Caraïbes ou dans le cas de débris de la taille d'une poussière flottant à la surface de la mer. Les échantillons seraient d'ailleurs très difficiles à récupérer. La Terre se rapproche actuellement de l'essaim de Tauride, un flot de débris rocheux associé à l'impact de Tunguska en 1908. Les astronomes attendent avec impatience la rencontre rapprochée qui commencera à la fin du mois de juin, leur permettant de regarder à l'intérieur de l'essaim à la recherche d'astéroïdes dangereux. D'après une orbite préliminaire pour la boule de feu, il ne semble pas faire partie de l'essaim de Tauride, a déclaré Paul Weibird en parlant de cet astéroïde, ou de cet astéroïde, oui, qui a touché le 22 juin, il y a quelques jours, il ne faisait pas partie de cet essaim-là, apparemment. Donc, ce n'est que la quatrième fois dans l'histoire qu'un objet impactant est observé avant l'entrée atmosphérique. Très intéressant. On n'est pas à l'abri de quelque chose de plus gros qui nous tombera sur la tomate. C'est arrivé à plusieurs reprises et souvent, ça a eu des impacts majeurs sur le climat, entre autres. Je vous reviens.